Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Trois girls group que je ne connais pas du tout, qui n'ont pas beaucoup de fans apparemment et beaucoup de vues sur leur chaîne YouTube, ont fait leur comeback récemment. Premier groupe dont je vais réagir, c'est le groupe Leisha qui nous revient avec un tout nouveau single qui se prénomme Red Flower. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle. Redman Kyler, j'ai envie de te dire, générique. Comme je vous l'ai dit, je vais d'abord réagir donc au girls group Leisha. Mais avant de dire un petit peu qui elles sont à travers K-pop profil qui mettent beaucoup, merci d'ailleurs à vous pour cette mine d'informations, plutôt ce puits d'informations. J'espère que vous allez bien, mes chers Mélimélo. Oui, je filme cette vidéo en date du 12 juin, mais je ne sais pas quand elle sortira. Mais je vous demande comment vous allez, si vous avez bien également débuté votre semaine sous cette chaleur écrasante, car il fait plus de 31 degrés ici en Belgique à l'heure où je vous parle. Moi, ma météo du jour, relativement ça va. Grosse fatigue due à la chaleur, mais aux insomnies qui se répètent depuis presque une semaine et demie maintenant. Mais dans l'ensemble, je suis relativement de bonne humeur. Revenons donc à Leisha. C'est un groupe de filles actuellement sous double média. Elles se composent de 5 membres et ils ont fait leur début le 12 mai 2015. De ce que je peux comprendre, à la base, c'était un groupe de danseuses professionnelles et pas spécialement d'idol. J'ai très hâte de voir en tout cas ce titre Red Flower. Vous allez me dire, mais Mel, pourquoi tu vas réagir encore à des petits groupes comme ça? Parce que j'aime bien donner un peu de visibilité à des groupes peu connus, même si j'aurais pas beaucoup de vues sur cette triple vidéo, c'est pas grave, mais pour ma part, pour moi, c'est aussi enrichissant de découvrir de nouveaux groupes, que ce soit boys, girls, mais également des artistes solo. Et là, en fait, je suis tombée sur ce groupe à travers une vidéo YouTube et en même temps j'aimais beaucoup leur tenue qui était très traditionnelle coréen et je me dis pourquoi pas. Attendez, je vais voir, il fait très chaud donc hydratez-vous au maximum, protégez-vous du soleil, mettez chapeau, crème solaire, enfin, vous voyez la rengaine qu'on dit souvent aux enfants mais il faut le dire aux adultes aussi hein. Ça fait du bien de se désaltérer, voilà. Et je voulais faire une petite mention aussi, je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui subissent les feux de forêt au Canada actuellement, que ce soit les pompiers qui font face à cette situation, mais aussi à toutes les personnes qui sont obligées de partir de leur domicile. Tout mon soutien à vous et j'espère que ce sera vite réglé. On sait très bien qu'avec le réchauffement planétaire, climatique en clair, il y aura de plus en plus des incidents de cette envergure. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Vraiment. Bon, allez, c'est parti donc pour ce premier groupe de cette trip reaction, Leisha. Ah bah déjà le visuel, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup déjà de ce que j'entends. Et il y a de l'eau. Ben, je comprends pas hein. Et ils ont que 13 000 vues en 2 jours quand je filme cette vidéo. J'aime beaucoup leur attitude, j'aime beaucoup leur manière de danser, leur gestuelle, leur make-up, leur tenue, leur voix. Et pas mal du tout aussi hein. Je sais même pas si le single est déjà sorti. Il y a vraiment un son hyper tradi, hein. J'adore. Ok, le single n'est pas sorti sur les plateformes.
Dommage. Par contre, vous pouvez déjà retrouver leur précédent single. Donc là, c'est peut-être une sorte de pré-single en vue d'un single ou album officiel qui sortira prochainement. À voir. En tout cas, ce son me plaît beaucoup. Hein. Que ce soit leur tenue moderne, traditionnelle, mais là, t'as ce côté très western, tradit aussi, j'aime beaucoup. Elle a une voix très atypique, elle aussi. Hein. Un peu ténor, comme ça. Canon. Et j'aime le fait qu'il y a un homme qui intervient par à coup et qui ait vraiment une danse traditionnelle également, tu vois. Bah écoutez, ce premier groupe me plaît beaucoup. De par sa manière d'être, on voit que ce sont des femmes qui ont quand même une certaine expérience depuis 2015, hein, je répète. Hein. J'aime beaucoup ce côté très traditionnel coréen qui est mis en avant, que ce soit au niveau de leur coiffure, mais aussi des accessoires, de leur tenue vestimentaire, au niveau musical, sonore, instrument à traditionnel, mais également ce danseur qui faisait de la danse traditionnelle coréenne. Et également, j'aime beaucoup le fait que même si c'est dans un studio, je trouve que les plans ont été bien tournés. Tu ressens vraiment cette culture coréenne représentée, ce côté flower également avec cette couleur rouge et noire mise en avant. J'aime beaucoup l'eau. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont une tenue aussi beaucoup plus badass, mais un côté aussi traditionnel, moderne, mais un peu plus western. Ça m'a beaucoup plu également. Donc oui, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas plus de visibilité, parce que cette chanson, dans l'ensemble, elle est vraiment pas mal, surtout ce côté traditionnel mis en avant. Mais voilà, franchement, ça m'a vraiment bien plu. J'aime beaucoup leur gestuelle, j'aime beaucoup leurs expressions également, qu'ils nous transmettent à travers écran. J'aime beaucoup ce qu'elles dégagent aussi, tu vois, vraiment que ce sont des femmes matures, quoi. Non, j'ai beaucoup aimé. Le deuxième groupe qui est très peu connu, c'est un groupe qui se nomme Q6IX, donc Q6, qui nous reviennent, je suppose, avec un nouveau single qui se nomme Si. À l'heure actuelle où je filme cette vidéo, donc je répète, nous sommes le 12 juin et il est presque 13h45, il a que 256 vues, ce clip. Pour parler un petit peu de ce groupe, évidemment de nouveau K-pop profil, merci à vous. Anciennement connu sous le nom de Wet Rose, c'est un groupe Red Rose, c'est un groupe de filles sous Retro Entertainment, actuellement composé donc de 3 membres. Ils ont fait des débuts en duo le 23 décembre 2019 avec un single. Le 3 mai 2020, il a été annoncé que le groupe commencera à faire des promotions en tant que groupe de filles et ont fait un début en tant que groupe de 5 membres le 23 septembre 2020 avec un autre single. Mais en décembre 2022, il a été annoncé que 2 membres avaient quitté le groupe, qui fait que maintenant, actuellement, ils ne sont plus que 3. Donc voilà un petit peu qui est le groupe. Beaucoup de restructuration, d'abandon, etc. Maintenant, on va voir en termes musical, visuel. À mon avis, ça va pas être quelque chose d'explosif non plus. Qui dit petite agence, dit groupe pas très connu, on peut comprendre. Mais je vais peut-être plus regarder au niveau de comment elles vont danser, leur gestuelle, mais également surtout leur timbre de voix qui est plus intéressant quand tu découvres un groupe. Allez, let's go mes chers Mélimélo, je vais écouter donc ça. Si. J'ai l'impression Si après être actrice. Ok. Mon chapeau qui est mis encore n'importe comment, voilà. Bon, est-ce qu'on va avoir un truc qui la prenne? Ok, c'est pas mon truc du tout ça. Bon, elles sont mimi, hein. Ok. Ils sont dans un lycée.
C'est pas du tout mon truc. Allez, trop mignonne la peluche. Elles sont très belles, hein. Ça danse bien. Par contre, leur texture de voix, j'aime pas trop. C'est des voix assez banales que tu entends partout. Bon, après, moi, je serais pas chantée comme ça non plus, hein. C'est pas trop le style de chanson que j'aime bien. On a quand même une chanson qui est très pop dance, hein. C'est très cliché. C'est pas mal, là. Son rap est bien dans l'ensemble. On a un côté très dance mais un peu disco à la fois, hein. En fait, je m'ennuie, je trouve ça assez plat. Dans l'ensemble. Après, il y a certains plans et décors qui sont sympas, mais... Là, il y a des... quand leurs voix sont combinées, c'est assez sympa. Bon, je suis désolée parce que je sais qu'il y a une équipe derrière, que les filles travaillent dur, hein, c'est pas ça, mais c'est pas ma cam du tout. Et vous savez que je suis quelqu'un de transparente, de cash, de honnête, donc non, je vais pas vous dire « Oh mais oui, c'est bien finalement !» Alors que non, j'ai pas aimé. Je trouve que le MV dans sa globalité est assez simple, voire même insipide. C'est toujours la même rengaine dans un lycée, on voit qu'ils sont là, ils sont en mode pop-up girl, un peu sexualisant, mais pas dans le terme... abusé, mais enfin vous voyez, c'est assez stéréotypé en fait dans sa globalité. Les filles sont très jolies, il y a certaines textures de voix qui étaient assez plats, mais de temps en temps je trouvais que c'était assez intéressant. Le rap était pas mal mais sans plus. La chorégraphie, voilà, je suis désolée, hein, parce que je préfère m'excuser quand même, parce que j'aime pas dire des choses comme ça un peu méchantes, mais je préfère dire la vérité et ce que je pense. Là c'était bof, on a une chanson très pop dance, voire un peu disco, mais voilà, c'est juste pas ma cam, mais ça n'enlève rien que, voilà, je sais qu'il y a du travail derrière, et bravo à elle pour ce travail, et pour l'équipe qui est derrière, la production, etc., les make-up artistes, les designers, enfin, les stylistes, mais voilà. C'était pas non plus... voilà. Dommage. Dommage. J'ai nettement préféré Leisha pour le moment. Au niveau du single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est composé de deux titres. Ce titre-là, mais la version instrumentale est également. Et au niveau du visuel de la jaquette, personnellement, ça j'aime beaucoup. On a un fond rose, un cœur, le
SCSI, vraiment ce côté top secret amour, ce qui était représenté dans le MJ et également dans le texte. On a ce petit chapeau d'université, le xoxo, cette vieille cassette, vraiment ce côté très girly en tant que fille et un petit peu comme si c'était un livre secret de tout ce qui se passe dans ta vie à l'unif avec tes amis, quoi. Voilà, c'est assez sympa, mais sans plus. Le dernier groupe que je vais réagir, c'est un groupe qui se nomme Hashtag. Ils ont sorti leur MV et leur titre Diamonds il y a un jour quand je filme cette vidéo. Je pense que ça va être pas vraiment un MV officiel, mais une sorte d'MV à travers les coulisses d'un photoshooting, de ce que je peux voir là. Je peux voir qu'ils sont composés donc de 5 membres. On va voir un petit peu sur K-pop Profil, d'ailleurs merci. C'est un groupe de filles coréennes qui se compose actuellement donc de 5 membres. Il y a 2 membres qui sont partis donc le 21 mars de cette année. Ils ont fait leur début en tant que groupe de 7 en octobre 2017. Je ne connais vraiment pas du tout ce groupe, il me dit rien. Quoique Hashtag, ça me dit quelque chose, mais vaguement, vraiment vaguement. Ils ont été produits par un ancien membre de BBVOX, Kan Min-young. Le 28 décembre 2022, Hashtag a signé un contrat avec Wannabe Entertainment pour la gestion de cette nouvelle formation. Mais ils sont toujours gérés, on va dire co-gérés, par la Luc Factory. Donc voilà, voilà un peu pour vous dire qui c'est ce groupe. Je vois même qu'il y a une des membres qui aurait joué dans un film. On voit qu'ils sont également certaines membres des actrices. Ok, donc voilà, voilà. Allez, c'est parti donc pour la dernière réaction de cette Super Reaction. Est-ce que je vais aimer ce titre ou pas? Non, oh, c'est un truc en mode gueule, la praline G-Friends, comme ça. J'aime pas tout ça. Il y a des voix intéressantes, hein. J'aime bien la voix là. Très jolie, très belle note. Elles sont toutes belles en tout cas. Toutes mimi. Coucou toi. Très belle jolie robe. C'est très français ça, très belle jolie robe. Ah non. J'aime pas trop ça. Après je sais que beaucoup de personnes aiment bien ce genre de chanson parce que ça fait rappeler cette époque à la G-Friends, etc. Tu vois, mais c'est pas tout mon truc, moi. On peut pas tout aimer dans la vie. Hein. Ah, là, j'aime un peu plus. Ils ont des voix plus intéressantes que Q6, hein. Ils ont que 1400 vues quand même, hein. Ils auraient sorti quelque chose il y a 2 mois. Oh oh. Après, le photoshoot a l'air très princesse, c'est très joli et j'aime bien leur robe se poudrer de mauve lilas comme ça et ce bleu aussi très pastel qui est très joli, qui leur sied à merveille. On va faire plus en mode styliste là, les gars. Bah, la chanson est pas mal, mais c'est pas non plus wow, quoi. Yeah.
Bon, dans sa globalité, la chanson fait très GFONCE, je trouve, hein, vraiment cette époque, elle est très pop dance également. Maintenant, le MV, vous voulez que je dise quoi, à part que les membres sont vraiment très très jolis, j'aime beaucoup leur tenue qui est très princesse dans ce côté rose mauve assez poudré, même lila. J'ai bien aimé aussi leur côté tenue bleu pastel, mais voilà, le MV c'est vraiment un shooting qui est très joli, mais tu sais pas quoi dire de plus. Certaines voix m'ont bien plu, mais voilà, c'est pas trop le genre de chanson que j'aime bien. Mais voilà, voilà, vous pouvez en tout cas retrouver leur single sur les plateformes, qui est composé juste d'un titre. Et au niveau du visuel du single, moi j'aime beaucoup parce que clairement le titre veut dire Diamond. On a vraiment ce gros diamant dans les mêmes couleurs bleu mauve de leur tenue, vraiment sur ce côté un peu fond blanc parme, ce reflet également qu'on voit du diamant et ces petites étoiles peut-être qui représentent les membres. Bon, c'est assez sympa quoi. Voilà. Et vous mes chers Mélimélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire des trois groupes présentés dans cette vidéo, lequel vous avez préféré. Moi je pense que vous l'avez compris, c'est le premier, Leisha, ce côté très traditionnel coréen, mais ce côté beaucoup plus mature, même en termes musicaux, j'ai plus apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez plus d'informations sur ces trois jeunes groupes, hein, entre guillemets. Certains, oui, un nom quand même, 2015. Moi je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.